accroché à l'axone sous le soleil de mon baie. Pour innover avec nos équipiers, je veux découvrir le sujet où on va plancher. Et bien voilà, c'est le JT numéro 4 de ce Crunch 2018 où on ne fait pas qu'innover mais on révèle également des nouveaux talents. On démarre immédiatement avec le premier sujet de ce journal. Alors donc moi je suis Julie, je suis aide-soignante à l'hôpital de Trévenans. Et donc j'ai déposé un sujet pour améliorer le matériel médical que j'utilise tous les jours. Le crunch, bah, j'en ai entendu parler l'année dernière, mais surtout avant d'être aide-soignante, je travaille à l'UTBM. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas si quelqu'un... Enfin, je lui ai proposé le sujet et puis je me suis dit, bah, on va faire travailler tous les petits neurones de ces ingénieurs pour faire un truc sympa. On est un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, donc tout de suite, quand on a des bassins pour que les personnes aillent aux toilettes ou personnes dans les hôpitaux, donc ça a été un peu déstabilisant. Il y en avait qui étaient plus pour tout changer, d'autres plus pour ajouter des accessoires. On s'est répartis par groupe, donc on a fait un groupe justement sur le bassin et un groupe sur la télécommande tablette, ce qui était un peu accessoire secondaire. C'est la tablette en fait, lorsque les personnes mangent, de base ils sont en espèce de petit chariot qui vient sur le côté, et le problème c'est qu'avec les barrières qu'il y a sur les côtés, il y a un problème de hauteur en fait, de réglage, ça peut coincer. Donc, du coup, on a pensé à créer une tablette en fait, qui est amovible, qui est déjà en fait, sur le lit. La problématique venait surtout du bassin, donc qui se place sous les personnalités. Et du coup, c'est une partie assez rigide qui leur pose problème. Ce qui est bien donc, dans notre solution de mettre des accessoires, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer l'existant. On ne retouche à rien, donc c'est racheter, par exemple, pour les bassins, rajouter un accessoire sur le bassin. Et on a pris des matériaux qui sont adaptables aux méthodes de stérilisation déjà existantes. On a essayé de trouver différentes options. On a décidé de partir sur soulever le patient. Et on est parti donc sur un matelas gonflable, donc qui se place sous le patient. Donc avec deux solutions, une solution permanente avec un matelas complet qui reste tout le temps. Il y a un matelas plus petit que l'aide-soignante vient placer. Notre solution, normalement, elle devrait aider l'aide-soignante qui n'a plus à faire autant d'efforts qu'avant et aider le patient parce que normalement, il n'a pas de contact avec le bassin et donc du coup, il est sur une partie molle. Le faire réaliser par une entreprise, c'est quelque chose qui est faisable assez facilement en deux parties, donc une entreprise qui ferait le matelas et une partie pompe. On a tablé sur du moins de 500 € pour vendre à l'hôpital. Donc en coût de production, on ne dépasserait pas les 300 €, je pense. La moindre ouverture, on va essayer de s'engouffrer dedans, présenter le projet à l'hôpital et voir si ce serait réalisable, réaliser un prototype et puis faire des tests. Sans le crunch, ça n'aurait pas été possible. Niveau 2. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, on passe directement à un deuxième sujet du jour. Cette année encore, Guy est heureux et fier d'être partenaire de l'événement. On a tout un tas de problématiques industrielles qu'on cherche à résoudre dans le domaine de la production d'électricité. On a décidé d'amener tous ces challenges ici à l'UTBM pour travailler, pour réfléchir avec les étudiants. Notre problématique, c'est aujourd'hui comment traiter, transférer des données facilement par un ingénieur sur site et de façon mobile. Donc on a proposé ce sujet aux étudiants pendant 4 jours, ils ont travaillé dessus. Donc on est arrivé mardi. On venait tous d'écoles différentes, que ce soit informatique, commerciale ou mécanique. Et du coup, on a réussi à réunir toutes nos compétences pour réaliser un prototype. On a d'abord fait une analyse des besoins avec monsieur Leray, qui travaille chez General Electric. Et donc, on lui a posé différentes questions. Et puis, il a réussi à nous éclairer un peu sur le sujet, parce qu'au début, on ne comprenait pas beaucoup. Donc, on a élaboré un bracelet qui permet à l'opérateur de voir les valeurs d'une machine. Ils ont délivré un prototype opérationnel, même deux, et au-delà de notre cahier des charges, qui est vraiment très, 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 très bien. On est super contents du résultat. Mais Valentine, mais vous faites quoi là? On fait un Harlem Shake. Mais un Harlem Shake, ça fait 3 ans, c'est pas du tout innovant le Harlem Shake, les gars. Non, écoutez, si vous voulez vraiment apprendre à innover, écoutez plutôt les 3 conseils qu'on vous a proposés aujourd'hui. Alors, 3 conseils pour entreprendre dans l'innovation, pour moi c'est lâcher prise, oublier tout ce que l'on connaît, se faire confiance, lâcher ses idées dans tout ce que l'on peut imaginer. Et en troisième temps, je dirais travailler en groupe, hein,
pour avoir de meilleures idées et pour pouvoir poser le projet comme il faut. Voilà. Pardonnez-moi, j'étais en train de regarder à travers le hublot. Écoutez, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur et un regard nouveau sur le Crunch Time. Et aujourd'hui, c'est avec Roxane de Lunine. Je suis Roxane Garcia, je fais partie du Master en Innovation de l'Université de Neuchâtel et je suis en orientation société. L'Université de Neuchâtel, c'est un lieu où il y a une certaine proximité entre les étudiants et les professeurs, puisqu'on est une petite université et il y a un peu plus que 5000 étudiants. On est du coup interdisciplinaire avec la faculté de droit, d'économie et des sciences sociales. On est venu parce que c'était une opportunité que notre professeur, M. Genera, nous a proposée. Bon, en tout cas, j'ai été motivée et en fait de travailler avec des personnes dans le milieu un peu plus technique, des ingénieurs, et en fait vraiment avoir cette possibilité de partager nos différentes compétences et en fait vraiment de découvrir ce qu'ils faisaient, comment, et puis comment en fait dans la vie professionnelle et ainsi que des start-upers, ces différentes compétences allaient se mélanger et comment on allait pouvoir tirer avantage de leurs compétences, de mes compétences, créer un petit mélange pour faire quelque chose qui a une plus-value et qui fonctionne bien. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Je trouve qu'il y a une bonne organisation, la cafétéria elle tourne bien et puis les organisateurs sont très sympas. Et puis j'apprends vraiment beaucoup. Ce que j'espère c'est vraiment qu'on puisse aboutir à quelque chose de bien avec la setup qu'on est en train de faire. L'interaction qu'on est en train d'avoir avec le mélange des compétences et tout ça continue et puis que j'en sorte grandir. Eh bien, au JT du Crunch, on aime donner sa chance aux petits nouveaux. Et du coup, on a créé le Stagiaire Comedy Club. Et aujourd'hui, c'est Francis, notre stagiaire de la communication, qui s'est lancé à un petit défi, vous faire rire avec le bureau des brevets. Pas vrai, Francis ? Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est lui qui l'a fait et on vous laisse le regarder immédiatement. Entrez. Bonjour. Bonjour. Alors, quel brevet vous amène ? Ce serait pour vous présenter un projet de sous-marin écolo. D'accord, et il fonctionne comment votre sous-marin ? Eh bien, à l'hélium. Mais vous n'allez pas vous envoler ? Ben non, il est trop lourd. Bonjour. Bonjour. Et vous, c'est quoi votre projet innovant ? J'ai réinventé l'idée du banc rotatif pour ne jamais s'asseoir du côté mouillé. Vous en pensez quoi ? Oui, pourquoi pas. Ici, en Franche-Comté, vous pouvez même rajouter un troisième côté. Un stylo qui copie la couleur de ce qu'il touche. Regardez par vous-même. Merci. Il écrit toujours bleu, votre stylo. Bah oui. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'inventer la fourchette qui refroidit la nourriture. Oui ? C'est une gomme qui aspire ses propres miettes. Vous mettez ça en place comment ? Je sais pas. Bonjour, je viens pour une idée de coiffure connectée. Mais dites-moi, y aurait pas un peu plagiat là ? Bonjour. Moi j'ai inventé le sac sans fin. Regardez par vous-même. Il y a ça. Et il y a ça. Encore des trucs. Je vous dis, on peut jamais s'arrêter. Un peu plus volumineux. Un peu de liquide de refroidissement. Si vous voulez vous changer, j'ai de quoi. Un autre style peut-être. Stop ! Arrêtez tout ! Eh bien, même si le moment est venu de démonter, on s'active derrière moi, il a fallu l'installer ce crunch, il a fallu l'organiser et il a fallu jour après jour proposer l'ensemble des services. Et pour cela, ce sont l'ensemble des bénévoles et des volontaires et des personnels administratifs de l'UTBM qui se sont mis en mouvement. On part à leur rencontre. Combien de personnes sont présentes ici par jour pour organiser le crunch ? 100, 200. Waouh,
Je n'en sais rien. Le nombre de personnes mobilisées le long des 4 jours, c'est environ, on va dire, 120 personnes en moyenne. On propose aux gens de s'inscrire sur différentes missions qui peuvent parfois sortir complètement de leur travail. Il y a des postes clés comme l'informatique, la logistique, la communication, les snacks et les bars également, pour l'accueil, les bips des badges. Donc le coaching des équipes, où là, c'est principalement les enseignants, mais pas que, puisque tous, on est capable de gérer des projets, de conduire des projets, et donc d'aider nos étudiants à le faire également. Donc il y a de la place pour tout le monde, quelles que soient ses compétences. L'ensemble de l'UTBM, en fait, s'est mobilisé. Puis, il y a également la restauration. Les équipes du RUD ne sont pas en quantité suffisante, donc on les épaule. Combien de repas sont faits par jour pour le crunch ? 1700. 1500 ? 2000. 1400. 1700. Combien de kilos de salade par jour pour le crunch ? Salade. 200 kilos. 2 tonnes. Je sais pas, je mange pas de laitue. Une journée, 1950 repas par jour, ça représente 80 kilos de pâtes, 80 kilos de viande, la salade à peu près 120 kilos, les fruits 160 kilos, les salades de fruits 200 kilos. Nous avons commencé à 5h du matin et nous avons terminé à 15h. Vendredi, c'est Combini. Et à vous de choisir si vous préférez l'original ou la copie. Oui, 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 oui. Crunch. Crunch, parce que c'est plus fun. Crunch. Fino, parce qu'après c'est vraiment terminé, c'est les vacances. Crunch, parce que c'est plus drôle. Ah, parce qu'on travaille moins. Plus sympa. Crunch. Crunch. Fino, examen. Ah oui, examen mourir, examen peur. Milka, j'aime bien le violet. Milka. Milka. Du Milka pour supporter le crunch. Crunch. C'est moi, je préfère le Milka. Ah bah Milka, forcément. Le Milka, c'est la vie. Westworld. Je regarde pas Westworld. Parce que j'en ai vu aucun des deux. Ah, Westworld. Game of Thrones. Aucun des deux. Game of Thrones. C'est pas trop hippie, mais j'aime beaucoup. Petit déj. Pas le temps. Petit déj. Parce que quand on est sportif, on n'oublie pas le petit déj. Pas le temps. J'ai besoin de dormir. Si je peux gagner 10 minutes, je les gagne. Boire. Mirabelle. Ah bah, Mirabelle. Mirabelle. J'allais les cueillir dans les arbres avec ma grand-mère. Mirabelle. Je viens de la Lorraine. Mirabelle. Je connais aucun des deux. Au chocolat. Vas-y, après, pain au chocolat. C'est pas la même chose, les deux. La chocolatine, c'est une aberration de la gastronomie toulousaine. Pain au chocolat. Parce que je suis du sud. Mais du bon sud. Pain au chocolat, parce que je suis alsacienne. C'est comme ça que ça se dit. C'est tout. Innovation. Management de l'innovation. Un bon management pour de l'innovation. Management. Management. Et innovation. Management. Parce que j'ai rencontré plein de gens et voilà, c'est le management. Parce que c'est sympa. Plus le soir. Les deux. Parce que je suis pas du matin. Soir. Les deux, ils sont rassemblés, alors quand tu dors pas. Faire la fête. Jusqu'au matin, du coup. Soir. Il se passe toujours plus de choses le soir. J'ai pas su trop répondre. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette 4e édition du JT du Crunch. Pour nous, c'est l'occasion de vous dire merci de nous avoir suivis. Pour les étudiants, l'occasion de souffler. Et à tous, rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition en mai 2019.